pour arriver à l'étape que vous avez vue sur la photo, j'ai donc pris la jambe droite, ici, je l'ai retournée, je l'ai mis du côté en droit, comme ceci, donc la jambe droite, l'intérieur à l'envers, l'envers à l'intérieur. Là maintenant, je prends ma jambe droite et je vais aller la glisser à l'intérieur de ma jambe gauche pour obtenir mes crans de montage du dos l'un contre l'autre. Donc là, on a l'écran ici. Ici, j'ai l'écran. Et donc, vous obtenez ce que vous avez sur la photo. Vous venez d'assembler les deux côtés du bloomer, donc l'écran sur l'écran. Donc il vous reste cette partie ici à assembler. Pour éviter le maximum toutes les épaisseurs que vous pouvez avoir, vous allez mettre une couture couchée comme ça et une couture de l'autre côté couchée de l'autre côté, c'est-à-dire comme ça, pour que la couture ici tombe l'une sur l'autre. Maintenant que j'ai vérifié, je peux épingler. Je mets mon épingle ici sur cette couture-là qui est couchée dans ce sens-là. Et je prends une autre épingle que je mets sur cette couture qui est couchée bien dans l'autre sens. Et là maintenant, vous pouvez passer sous la machine et coudre à 1 cm.